Moi, c'est Josué Fambedi. Et je suis le chef maçon dans le DH Immobilier. Je travaille avec DH Immobilier. Ici, on est sur le site de G10-4. Voilà. Ici, c'est déjà en finition. On est sur le dernier niveau. On est presque fini. J'encourage beaucoup de nos clients de venir souscrire parce qu'il y a beaucoup de sites qui viennent de commencer. Moi-même, j'ai deux sites que je suis en train de construire. Actuellement, je suis en fondation. Si vous voulez, je vais vous amener dedans, vous allez voir ce qu'on a fait comme travail. Ce n'est pas petit travail, mais c'est un travail professionnel. Voilà. Donc, si quelqu'un veut, il peut venir visiter nos sites pour se voir de quoi on parle. On livre les choses au gros œuf. On met la porte principale. Ici, c'est la cuisine. Voici la cuisine. La douche. Ici, c'est la douche. Et puis, ici, le salon. Ici, c'est la chambre. Et puis, il y a un balcon devant. Voilà. Donc c'est comme ça, on livre les choses, on livre à gros œuvres. Et puis après, c'est comme ça, on livre à gros œuvres. Et puis maintenant, la personne, le client même fait son crépissage, ses finitions à son goût. J'ai cher au niveau de l'eau. Nous comptons quoi? C'est Monsieur Grémy David, un commercial à DH Immobilier. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de G10-4. Nous allons vous présenter un peu comment, de quoi se compose la construction, comment ça se passe la construction. Ici, je suis au troisième. Nous avons coulé une fosse dalle pour recueillir l'eau. Il n'est pas que l'eau gêne les gens qui sont en bas. Travail à DH, nous on ne joue pas avec le bâtiment parce que la construction c'est un truc très très sensible. Comme on l'a dit, le projet DH, ça consiste à faire quoi? C'est très simple. Vous voyez terre à terre, la manière on prend bail des épis là, on prend comme ça pendant un certain nombre d'années, après on dans la lépier. C'est le même système, rien n'est changé. Vraiment ici, c'est DH qui va chercher les terrains et bâtir. Sur ce terrain, les studios, les deux pièces, les trois pièces. Et nous faisons les gros œufs. Les gros œufs, c'est ça. Nous, on voit encore les buts là. Voilà. Ici, il reste à mettre la toiture. On met la toiture, on va mettre la porte d'entrée. C'est comme ça qu'on livre. C'est comme ça qu'on livre au client. C'est au client de faire les finitions, tout. Et de faire à ce que ça soit habitable. Mais quand vous donnez la main, vous avez 9 mois. Les 9 mois n'ont rien à voir avec les 20 ans. C'est un cadeau, c'est un bonus que DH offre au client pour qu'il puisse finir la maison et exploiter pendant les 20 ans. Comme on l'a dit, le chef maçon a présenté, du haut on peut faire. Ici c'est une chambre salon. Bon, ici on a le salon, là la chambre, la douche, la cuisine de l'autre côté. Où nous sommes arrêtés ici, où il y a la fosse dalle en bas, c'est le balcon. Si on descend, vous allez mieux voir. Voilà, il y a deux personnes qui ont fini, qui ont déjà fini, nous allons vous présenter. Alors, comment ça se passe la finition? Oui, boss.
Parce que dans ma manière, là, comme il disait, quand vous donne le crédit sale, c'est vous qui faites. Nous, comme je vous ai montré, gros yeux, où on voit encore les briques là. Où on voit encore les briques. Voilà, sur son livre. Et quand c'est comme ça, nous on met la porte qui est là. La porte qui est là. Et vous faites vous qui faites les crépissages, tout dedans. Il a fini. Par exemple, lui, il a presque fini. On va chez lui, et il a pris. Ici, nous sommes dans un studio. Vous voyez, quand ça finit, vous voyez comme c'est beau. Vous voyez comme c'est beau. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà fini, c'est quelqu'un qui a pris, qui a cru au projet. C'est quelqu'un qui a cru au projet. Aujourd'hui, il a fait ses finitions.